Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Le principe de l'émission, il est très très simple. Ici, nous parlons produits, de produits qui ont du goût bien entendu, et je suis accompagné de Sophie, qui va nous présenter une gamme de produits qui a été reconnue saveur de l'année, c'est-à-dire qu'elle a été goûtée, notée et bien entendu approuvée et appréciée par un jury de consommateurs. Et oui, c'est du sérieux. Bonjour Sophie. Bonjour Willy. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Très très bien. Alors, aujourd'hui, le programme. Ah, le programme. Alors Willy, dans la famille des petits déjeuners sains et gourmands, je demande aujourd'hui le muesli Weetabix, si vous êtes d'accord. Il est sur la table. Effectivement, je vous présente une gamme de muesli moelleux et savoureux constitué à 100% d'ingrédients naturels, les muesli Alpen. Ouais. Trois recettes récompensées par les jurys des consommateurs des saveurs de l'année. L'original, le packaging rouge ici, que l'on va montrer hop là à la caméra. Voilà. La recette sans sucre ajouté, packaging bleu. Je l'ai dit. Et enfin, le troisième packaging orange que je vais laisser le soin à Willy de montrer à la caméra. Voilà, le muesli Alpen aux abricots. Voilà. Alors, on va commencer les présentations avec la recette originale. Un goût classique à base d'ingrédients naturels de haute qualité. Chaque bol contient des pétales de blé, des flocons d'avoine, des raisins juteux, des noisettes et des amandes grillées pour un délicieux petit déjeuner riche en fibres, Willy. La recette sans sucre ajouté est composée des mêmes délicieux ingrédients, mais son goût est moins sucré que l'original car aucun sucre n'a été ajouté à celui contenu naturellement dans les fruits. Vous profitez donc, Willy, du même goût délicieux, sans sucre ajouté comme son nom l'indique. Enfin, troisième recette, le muesli Alpen abricot est savamment élaboré à partir des ingrédients suivants. De délicieux abricots, des amandes croquantes, des noisettes et raisins de Smyrne pour un petit déjeuner complet, riche en fibres et pauvre en graisses saturées. Le plus dur, Willy, sera donc de choisir parmi ces trois merveilles. Eh bien, je vais commencer par celui aux abricots. Voilà. Très bien. Et en attendant, auriez-vous la gentillesse de nous dévoiler quelques commentaires recueillis lors des tests consommateurs, ma chère Sophie? Avec plaisir. Willy. Alors on va commencer par le muesli original. Les consommateurs ont trouvé que c'était un beau mélange de couleurs et d'ingrédients. C'est savoureux, équilibré, croustillant, riche en céréales et sucré comme il faut. Il parle de goût fameux. On passe à la recette sans sucre ajouté. Les consommateurs ont aimé son côté naturel et peu sucré. Le goût est parfait, frais et sain. D'après eux, l'ensemble est coloré, croustillant et riche. On finit avec la recette aux abricots. Les consommateurs ont aimé sa texture croquante, le bon équilibre des différents aliments. Le goût de l'abricot domine bien l'ensemble. C'est savoureux. Il parle d'arrière-goût bien fruité, ils aiment les morceaux de fruits bien présents, c'est agréable en bouche. Enfin, le goût est très bon, même sans lait. Eh bien, merci Sophie pour toutes ces précisions. Tenez, je vous ai servi. Merci. Aussi, le muesli abricot sur un petit lit de fromage blanc. Et quant à nous, chers amis, on va se retrouver très très vite. Bye bye. Bye. Yeah, yeah.